Et chaque semaine, il se passe des trucs de ouf. Et cette semaine, il s'est passé un truc de malade mental. Je sais pas si vous avez vu, c'est à Londres. Il y a un mec, en fait, qui s'est fait arrêter et qui est jugé en ce moment pour un attentat qu'il voulait faire pour défendre sa cause à lui. Et vous savez ce que c'était sa cause? Les roues. C'est-à-dire qu'on a un mec qui fait des attentats pour défendre les roues. C'est bien d'avoir des convictions, ok? Mais il y a des limites. Tu vois, c'est quoi la prochaine étape? C'est d'avoir un mec qui fait « Pour tous mes frères qui chaussent du 42 !» Bah! On peut pas être débile à ce point-là, le mec il a fait un attentat pour sauver les roues, c'est hallucinant. Et alors attends, parce que c'est super drôle, ils ont chopé ses notes, parce qu'il a préparé son coup, hein. Le mec il a bossé quand même. Et j'ai ramené ça, c'est pour ça que j'ai un truc blanc sur mon cul depuis tout à l'heure. Ah, et je vous lis, c'est vraiment lui qui a écrit ça. Il a écrit « Je veux des représailles massives ». Déjà le mec, représailles massives, t'es rouquin, t'enflamme pas, tu vois, t'es tout seul. Hein. Dans sa tête, c'est Barack Obama. On va envoyer des missiles! Que dalle! Et puis, je veux, il parle à qui? Il doit y avoir un autre roux en face. On est deux, battons-nous! Donc, il dit ça. Je veux des représailles massives, un attentat terroriste de masse qui attirera l'attention sur notre souffrance, pas seulement la mienne, mais celle de mes frères à travers le monde. Ces frères roux, et à mon avis, t'es fils unique à cette heure-ci. Hein. Il n'y en a aucun qui te suit. Et puis notre souffrance, enfin, je veux pas atténuer la souffrance des roux, c'est pas ça le... Mais juste, on parle pas de la Shoah ou de la traite des Noirs. On parle d'une couleur de cheveux. Si vraiment ça te pose un problème, fais une teinture. Tu sais pas, bah tu peux pas attaquer des gens à chaque fois que... Attends, je vais essayer de retrouver le sens de cette phrase. Parce que oui, comme c'est jamais joué, bah du coup, des fois, je bug un peu. Et du coup, vous dites, ah, allez! Ah zut, il a arrêté. C'est quoi la blague d'après? Non mais c'est vrai, il y a une logique là-dedans. Tu peux pas créer un attentat. Si je réfléchis en même temps que je vous parle en même temps. Ah c'est ça. C'est qu'en vrai, tu peux pas attaquer des gens, tu peux pas créer un attentat à chaque fois que t'as un complexe. Moi par exemple, j'aurais bien aimé mesurer 10 cm de plus, tu vois. Hein, j'aurais bien aimé faire la taille de Nicolas Baker-Lay, ok? Mais pour autant, ça veut pas dire que je vais tuer tous les gens plus grands que moi. Bah non, pourquoi? Parce que déjà ils sont plus grands que moi, donc ils vont me péter la gueule. Et puis aussi parce que... Bah c'est tout en fait, c'est la seule raison. T'as raison, je vais les buter ces enculés, non? Le mec, il a créé un attentat, il a monté un attentat pour venger les roues. Et en plus, il a tellement préparé son coup, c'est super drôle, parce qu'il a vraiment travaillé son truc. Hein. Il s'est dit, alors, il faut un plan d'attaque pour que les roues dominent le monde. C'est ce que c'était son plan. Et bah, il a décidé de tuer, alors dans l'ordre, c'était Charles, et ensuite William, en Angleterre, le prince Charles et le prince William, pour que ce soit Harry qui monte sur le trône, parce qu'il était roux. Fin du plan. C'est-à-dire que le mec, il s'est dit, bon, après, c'est vrai qu'on sera un petit peu en roue libre. Le mec, il a fait ça, comme si ça allait changer quelque chose. À mon avis, le seul truc que tu peux faire, c'est arrêter maintenant les blagues sur les roues, sinon je vais le dire au roi d'Angleterre. C'est la seule arme que t'auras, ok? Il n'y aura rien d'autre derrière. Puis pareil, un terroriste roux, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Un terroriste roux, c'est quoi les revendications? Vraiment, tu l'imagines sur sa place, entouré de flics? Rends-toi! Non! Pas tant que j'aurai pas ce que je veux! Qu'est-ce que tu veux? Qu'il arrête de pleuvoir, sinon on pue! Mais attention! Je veux aussi que vous régliez tout ça avant 14h parce que sinon je vais prendre des coups de soleil, voilà. C'est ça, le mec à mon avis il s'est fait choper, il avait une cagoule, il y a eu un coup de soleil là, voilà. C'est tout. Hey internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est vraiment très très cool de ta part. Merci à tout le public qui était là ce soir.